Oui, j'ai eu trois déclics pour faire le métier de tailleur de pierre. Donc le premier, ça a été mon père qui m'a initié à la vie en chantier parce qu'il était maître d'œuvre. Donc il m'a appris plein de corps de métier. Second déclic, les portes ouvertes des Compagnons du Devoir. Donc j'ai vu des tailleurs de pierre taillés sur place. Et troisième déclic, la restauration de l'abbaye de mon enfance, l'abbaye Sainte-Trinité de Beaulieu-les-Loches. J'ai rencontré l'entreprise où je travaille aujourd'hui, l'entreprise SN Billon. Je me suis dit, bah allez, carrément, je me lance, quoi. Alors, les outils qu'on utilise le plus en tant que tailleur de pierre, c'est vraiment le taillant, massette, ciseaux. Un bon tailleur de pierre, normalement, il est même capable de tout tailler au taillant. Et ça ressemble à une sorte de hache avec deux côtés tranchants. Et puis, en fait, avec le tranchant, on pousse la face de manière à enlever la matière. On appelle ça ébaucher, en fait. Je suis amenée à faire des gestes courants, par exemple la pose de pierre, donc faire des nids de colle. Couliner, ficher des joints, etc. en fait pour que le coulis ne coule pas partout. Ça, puis faire des pas de doigts pour la pose, c'est pour que le coulis en fait puisse se mettre partout autour de la pierre. Et puis bah tailler, à la base, prendre le chemin de fer, et puis remettre les faces d'équerre, ça c'est la base. J'ai envie de travailler sur des monuments historiques parce qu'il y a une histoire derrière tout ça. J'aimerais bien travailler sur des cathédrales particulièrement parce que c'est de la dentelle de pierre. J'ai envie de redonner vie à des trucs qui sont fatigués, qui tournent vers la fin, alors que non, c'est important de garder en fait une trace du passé, parce que c'est nos racines en fait, c'est nos ancêtres qui ont bâti tout ça. Je suis apprentie tailleur de pierre et ce que j'aime dans la taille de pierre, bah, c'est l'aspect physique, donc me bouger sur les chantiers, être au taquet. Et j'aime aussi faire des gestes précis, donc partir d'un rectangle et mettre des moulures dans tous les sens. Et je remercie le concours Le Pèlerin. Ainsi que le GMH pour m'avoir offert cette belle caisse à outils. Tous les outils me serviront à adapter mes outils à mon ouvrage et je vais pouvoir être davantage précise et faire du travail de qualité. Vous pouvez compter sur moi. Merci beaucoup.